Salut les loulous, et nous voilà repartis pour Cook Sir Delicious pour ce premier jour. Voilà, pour savoir donc ce que nous avons acheté. Qu'est-ce qu'il m'a fait, s'il te plaît, en carrière, voilà. Et donc, donc pour ceux qui regardent cette vidéo bien après, vous verrez que j'ai mis un petit chapeau festif pour signaler la période du mois. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Déjà, on va prendre la bière, parce que c'est facile à faire. Non, je veux pas la try-out, je veux l'essayer. Non, c'est bon. Voilà. Qu'est-ce qu'on va prendre? Équipement ou équipement? On va prendre... On va prendre la station de machin. Alors, l'important, ça va être d'acheter suffisamment de nourriture pour pouvoir tourner. Parce que certaines nourritures, on peut pas les faire tous les jours. Donc on va prendre des trucs assez simples au début. Les lasagnes, c'est pas dur à faire. Les lasagnes, donc là j'ai un plat, une bière. Les sopapillas ou les frites. Les sopapillas... Non! Ah, je suis fatigué. Il y avait un truc qui était à 10 balles, non? Pas un truc qui était à 10 balles. Pas à 10 euros, du coup. Je ne sais plus. Si c'était le steak, ouais, on va pas prendre le steak. Je ne sais. Je ne sais pas faire le steak. La glace, sinon, 4 euros. J'ai besoin de sous au début, donc c'est important de prendre des trucs qui rapportent de l'argent. La salade, 8 euros, c'est pas mal. On va prendre la salade. Et du coup, là j'en ai 3 et on va en prendre un quatrième parce que j'aime bien avoir 4 trucs. Ça c'est bien. Ça c'est bien parce que c'est pas. Ils le demandent pas pendant les rush hours. Et les rush hour, c'est assez chiant, on va prendre un corn dog. Donc là on va partir sur un menu hyper sain, hein, donc hein. Corn dog, salade pour ceux qui aiment la salade, lasagne et bière. Là mon buzz il est de 25%. J'ai que 5% de buzz négatif, c'est pas dégueu. Il y a écrit 30% de base positif et là... Ah oui, j'ai plus ou moins... Ah oui, j'ai moins 5 au début, mais après j'aurais plus 15 du coup. Ça fait 25, ouais, donc on verra bien. On va partir sur ça pour commencer. Je vais boire un coup tout de suite parce que je pense que je ne pourrai plus beaucoup après. J'aurais coupé mon micro quand je bois. Que du coup, quand mon micro est là, ça fait beaucoup de bruit. Et on est parti. Alors, en fait, les lasagnes, ce qui est simple, c'est que c'est. Voilà. C'est tout le temps la même chose. C'est pour ça que j'ai mis les lasagnes. Bon, je suis vachement loin. C'est que c'est PSCR, PSCR. C'est assez simple à faire. Et bazar des lasagnes. Alors, ranch, c'est R. Cheese, c'est C. Onion, c'est O. Et on envoie. Parce que du coup, quand je ne connais pas les plats, certains c'est pas hyper intuitif. Genre, je crois que c'est sur la pizza, onion c'est N. Bacon ça doit être B, mais crouton du coup. Crouton ils sont où? Ah, bacon et crouton, c'est la même chose, ok. Il faut. Voilà. On tire juste la chasse. Ketchup, moutarde, vas-y. Ce qui est bien avec ce jeu, c'est que du coup, c'est pas trop dur et les vidéos seront courtes. Oula. Ranch, cheese and everything, bacon, onion, mushroom and greens and carottes. Vous pouvez pas me dire directement, vas-y mets-moi tout, ça a été plus simple. Hein. Les clients, tu vois, ça m'appelle les clients que j'ai, mais... Green and carottes. Ah, on va approcher de leur rush hour et là ça va être moins la fête. Une bière. Ranch, cheese, bacon, onion, mushroom, green, cheese and green onion, 4, j'envoie la bille. Ah, je suis à côté! Merde! Ah, je me suis gouré de touche!
Ranch, green and carotte. 3. Non mais me faites pas ça bordel. 4, on sert la bière parce que c'est plus simple. 2, ranch and cheese. 3, on sert la bière, on balance les lasagnes. Oh merde. Bordel. Putain, ranch and cheese. C'est un peu compliqué quand même hein. La une, on peut l'envoyer. Bon. Et ben voilà une rush hour qui s'est plutôt bien passée. Pour l'instant, je suis pas mal. Moutarde. Donc voilà, donc là, ça c'est pas trop compliqué encore parce que du coup, avec les lasagnes, et comme il commande pas les corn dogs, du coup, la lasagne et la bière, c'est facile à faire. Il y a que la salade qui pose problème. Le problème, c'est ça va être si... je sais plus où j'en suis. Cheese, parmesan. Voilà. Je crois que j'ai... Non, j'ai pas oublié parce que je pouvais plus en mettre. Le problème, ça va être quand... quand ça va être des ingrédients que... J'arrive plus à parler. Quand ça va être des aliments plutôt que je ne sais pas trop faire ou compliquer. Run, cheese, mushroom, tomate. Tomato, c'est pâté. C'est la même chose en fait. Ah, bordel. Ah, ça va, ça se passe pas trop mal. J'avais peur d'être un peu emmerdé. Mais comme j'ai pris des aliments pas trop compliqués, ça va. Et mon écran déconne, c'est génial. Le problème, ça va être après si on prend des aliments. Alors, on va envoyer la pizza. Ah, je me suis loupé. Qu'est-ce que j'ai loupé? Putain, ils attendent vraiment pas longtemps. Hein. Vivement qu'on ait les. Je sais plus ce que c'est, les trucs apéro, je crois, pour les faire attendre, un truc comme ça, parce que. On notera que quand je fais moutarde ketchup, il met moutarde et il remet le ketchup en dessous. Oh putain. Ça va. Run, cheese, bacon, onion, vas-y. Alors. Voilà, c'est pas compliqué. Ranch, green and carrot, vas-y. 4, j'en vois la 2. 3. Voilà, c'est pas grave, je fais la vaisselle en même temps, je sers des plats. Il est ok. La 2, je fallait que j'envoie les chiottes avant que ça déconne. Green, cheese, onion, pepper, c'est bon. 3. Ranch and cheese, on envoie les lasagnes. 3. Je me suis loupé, c'est génial. 3. Ça y est, c'est une catastrophe. Je commence à m'emmêler les pinceaux. J'ai trop mis de bière. Ranch and cheese. Et du coup, c'est moche parce que j'ai loupé deux plats d'affilée presque. Mon combo s'est bien cassé la gueule. Ranch cheese, onion pepper. Ils arrêtent pas d'aller pisser. Je pense que c'est dû aux bières. J'ai trop vendu de bière en fait. Bon, c'est pas tardé d'être la fin. Ah non, on est long en fait. Cheese, green and greens and carrots. Parce que c'est green, c'est du concombre. Alors, ranch cheese, bacon and croutons, onion and peppers. Il faut faire la vaisselle. Après, il y a des. On peut avoir un lave-vaisselle. Et c'est vachement mieux. Donc, apparemment, l'ordre des aliments ont pas de. L'ordre des aliments, disais-je, a pas d'importance. Mushroom, ça doit être ça. Tomato, ça va avec. Et green and carrot. Alors. Voilà, c'est la fin de la journée. Je pose un piège pour les rats. Ah, j'ai eu un bad. J'ai gagné de la thune ou pas? J'ai gagné 0 tips.
27 combos, Crumbsmed, je ne sais pas ce que c'est. J'ai gagné 379$. C'est pas énorme pour un restaurant quand même, hein. Par contre, j'ai eu pas mal de buzz positifs et un petit peu de buzz négatifs. Et j'ai loupé aucune tâche. Par contre, j'ai pas eu de justice dispense, je ne sais pas encore ce que c'est, je sais pas ce que c'est. Et voilà, et donc nous arrivons donc sur la checklist pour avoir une étoile. Donc il faut faire 20 jours de service. C'est notre deuxième jour, je sais pas pourquoi, parce que c'est notre... Ah oui, parce que du coup c'était notre premier jour en fait. Il faut faire un combo d'au moins x12 sur 3 jours, donc on en a déjà fait un. Il faut acheter 6 ingrédients ou nourriture, pour l'instant on en a 4. Il faut avoir 100$ dans la tip jar, que je n'ai pas, donc il va falloir l'acheter. Et il va falloir passer une inspection de... d'hygiène. C'est l'hygiène, c'est petit. Enfin, ça devrait être la sécurité, mais en l'occurrence, c'est le service de l'hygiène. Et on a servi 4 plats, et on a eu 10% positif. Alors... quoted, I want, please be careful when applying to the session to the universal and the enemy. If you feel like fighting the web control button, you can play like that. No, yeah. Ok, on s'en fout. Don't fall for the easy pass. Work hard, rest quickly, and you will soon find yourself surrounded in money. Animal to have today, top. Alors, on va éviter les chiens. Ah, voilà. Alors, at 6 a.m., the national weather forecast, at issue of rain. Ah, il va pleuvoir! Il va pleuvoir demain, donc il va falloir mettre un aliment de la pluie. Voilà, donc ça peut profiter mon business aussi longtemps que les gens restent à l'intérieur et ils mangent dans la tour. Je vais avoir des avantages en mettant sûr que ils ont le petit Rainy Munchies Buster. Et j'en ai un, il me semble, du coup. Du paf puf, c'est... Non, c'est pas là. Bah si, du coup, on peut le voir ici. Hop. Non, je n'en ai pas. Il va falloir l'acheter, du coup. J'ai débloqué la tip jar qu'on va également acheter. Les upgrades, c'est ce qui permet d'améliorer la qualité de la nourriture et qui augmente du coup le prix de l'aliment aussi. Et des fois, ça augmente, ça rajoute des ingrédients, genre sur la pizza ou dans les salades. Et donc, c'est plus compliqué. Et par exemple, là, j'ai eu l'upgrade de la bière. Alors, du coup, mon écran s'est décidé de redécéder. Merci, s'il te plaît. On va acheter la tip jar parce que ça fait de l'argent. C'est ça que je veux, c'est les tap snacks qui restent contents. Je peux acheter que ça, enfin, je... ça, votre courant, c'était pas available. Il faudra que j'achète ces deux-là aussi, mais d'abord. D'abord. Upgrade food. On va upgrader la bière. Parce que j'en sers quand même plein. Après, il y a des nourritures spécifiques, mais voilà, là il faut une étoile, et donc pour les derniers, il faut deux étoiles, etc. Et je pense que il y en a plus. Je ne sais pas. Un shish kebab, il faut deux étoiles pour faire un shish kebab, pardon. Un banana foster, c'est quoi? C'est une glace? C'est quoi? On dirait de la banane avec une boule de glace, ok. Du homard. Du riz. Des sushis. On pourra faire des sushis, ça va être drôle ça. Des pancakes. Le breakfast sandwich. On dirait un burger, mais bon. Hash browns, on dirait des nuggets. Et le café. Le café, je sens que c'est chiant à faire, je sais pas pourquoi. Et ça coûte pas cher, mais... pour l'instant, on va acheter de la nourriture standard, parce que je n'ai pas acheté à la meilleure nourriture. C'est les sopapillas. C'est ça qu'on va acheter tout de suite. Pour demain. Et j'ai amélioré la bière, il me reste 3200... Je pense qu'on va prendre les deux en fait, histoire de pas être limité dans la bouffe. Donc déjà, mon menu actif, on va enlever le corn dog, on va mettre le sopapillas. Et pour l'instant, on va rester comme ça. J'aimerais bien. Ah si, je vais prendre des pizzas. Oui, et on va arrêter parce que ça, j'ai plus un pognon. Et on va enlever les lasagnes en fait. C'est-à-dire qu'ils sont trop faciles à faire. On va mettre des pizzas plutôt. Beaucoup plus drôle. Voilà. Donc pour l'instant, on va partir sur ça. Je bois un petit coup parce que je parle beaucoup. Je voulais faire des vidéos de 10 minutes, mais j'ai beaucoup parlé après. Donc on va faire ça parce que de toute façon, là maintenant, il va falloir engranger de l'argent et c'est pas gagné. Donc on va partir sur ça. Et on va rester comme ça. Et voilà, donc si ça vous plaît pas, vous n'hésitez pas comme d'hab à le faire dans les commentaires. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu.
si ça vous a pas plu, bah mettez un pouce rouge, hein, voilà. Partagez la vidéo, tout ça, abonnez-vous sur Facebook, sur Twitter, sur Google Plus, j'y suis aussi, hein, sur YouTube, etc. Et si ça vous plaît pas, n'hésitez pas à changer le menu, si vous voulez que je change quelque chose, sachant que de toute façon je garderai ce papillasse, mais si vous voulez que je remette les lasagnes ou les corn dogs, hein, allez-y. Et pareil, si vous voulez voir une nourriture spécifique que je pourrais acheter, maintenant que je peux tout acheter, n'hésitez pas, on économisera au pire. Voilà, voilou. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée, et on se retrouve demain pour le deuxième jour dans notre restaurant. À ciao, bye bye.